explique-moi. Avoue au moins que tu la préfères à moi. C'est... Te fatigue pas, avoue au moins que tu la préfères. Vas-y, avoue-le, tu vois, je suis prête. Oui, mais vas-y, avoue-le. Tu vois, je suis prête. Bon, je vais te dans ton jeu. C'est Heather qui est venue ici avec toi, comme dans un voyage de noces. C'est à Heather que tu as écrit le rôle de la princesse Astrid. C'est pour Heather que tu as écrit le rôle. Et moi, on lâche le clos. Je sais plus à quel moment, non, mais... c'était baisse ce couteau, tu vas finir par te faire mal. Ok. Pendant, en fait, il faut qu'on travaille plus, parce que là, vous êtes statique depuis un moment. Ouais. Mais il me semblait qu'il y avait des choses entre-temps, non? On avait juste travaillé la levée du couteau vers le haut. D'accord, ok. Et au dernier moment, je fais pas ça. D'accord, ok. Et moi, après avoir été l'héroïne dans Macbeth, je n'ai plus rien à jouer, plus rien à dire. J'ai de tous ces fatales, je suis condamnée à rester éternellement Lady Macbeth. Elle dit historique et défaite pendant qu'une autre joue les princesses de cœur. Ce couteau! Tu vas finir par te faire mal. Maintenant, tu m'écoutes! Avec toi. Bon, quand tu es comme ça, ça me terrifie. Avec toi, on sait jamais si tu es en train de jouer ou si tu dis la vérité.